reparti pour un nouvel épisode et on a un problème, évidemment. Bon, déjà, c'est la nuit. Mais le mal de l'enfermement est de retour. Le mal de l'enfermement est de retour. Donc on a de l'eau ici. On va déposer notre eau. Je suis en train de réfléchir, est-ce qu'on n'aurait pas un établi à l'extérieur où il y a le barrage. Je sais pas. Bon, en tout cas, on a le mal de l'enfermement. Je devrais déjà pas faire ça parce que sinon, là, on est en train de perdre du temps pour rien. Mais il faudrait qu'on le baisse. Et je sais pas trop comment. À part passer du temps à l'extérieur. On sort. Moi, je vois pas trop comment. On va aller se balader. Là, ça serait vraiment bien d'aller à la tour, parce qu'on la voit bien, en fait. J'ai envie de me balader. Ah, il fait froid, quand même. Ah, on a trop de viande sur nous, aussi. Alors, on a plusieurs solutions, je suis en train de réfléchir là. Bon, on a récupéré pas mal de tissus. Non, attendez, non, ça non, ça oui. Ça oui, ok, c'est bon. On a pas mal de tissus et il nous faudrait des brindilles pour faire du. Pour faire un igloo. Ça là. Comme ça, on peut dormir dehors. Donc déjà, ça, c'est la première solution. On a aussi un sac de couchage. Oh, non, je sais ce qu'on peut faire. On prend le sac de couchage et on va dormir dans... dans un truc de pêche. Ouais, non, on n'a pas besoin de faire... Bah, le truc de l'igloo, en fait, c'est bien parce qu'on peut le mettre à côté de chez nous. Donc si on a un problème, bah voilà, on rentre chez nous, quoi. Mais... L'igloo en fait s'abîme avec le temps. Donc au final ça serait faire ça pour rien quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il fait froid, moins 9. Le problème c'est qu'il va faire froid, il faudrait faire un feu. Ah, on est de retour à récupérer du bois dehors. Je sais pas si ça va être captivant, cet épisode, cette fois. C'est un peu pour ça que je sors en aurore boréale. Que j'avais envie un peu d'aventure. Il y a toujours la carcasse de l'ours. Ou pas. Non, je la vois pas. Oh. Il nous a vu de là-bas, il est à l'arbre. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive là ou pas? Je vois pas. Qu'est-ce qu'il fait? Et il a peur de la lumière, je crois.
Je vais voir s'il n'y a pas des plumes. Ok, là il arrive par contre. Il s'est arrêté à la lumière. Ok, il a eu peur, ça va. Pour ceux qui savent pas, les aurores boréales, les animaux deviennent... Oh, c'est pas une plume ça? Les animaux deviennent extrêmement agressifs. Yes. Extrêmement agressifs. Mais par contre, ils ont peur de la lumière. Il y en a plusieurs, je crois, de ce côté. On va pas y aller. Bon, on a récupéré deux plumes, c'est cool. C'est bien, c'est bien. Ouais, je pense que c'est la solution. Ouais, non, il n'y a plus l'ours. Notre feu est là, donc l'ours était là-bas, je crois. Le charbon. Bah oui, je pense que c'est la meilleure des solutions. C'est le coup du sac de couchage. Donc, si on allait pêcher. À la limite. Quand on n'a pas sommeil. Ouais, mais on aura froid. Merde. Putain. Putain de dilemme, quoi. À la con, là. Je sais pas... Non, je sais pas quoi faire. Bon, là, on rentre. On va se réchauffer, déjà. Et après, faudrait créer des kits de pêche. Donc, il nous faut du fil et des... Et des hameçons. Les hameçons, on en a 5. Le fil, je crois pas qu'on en ait. Je crois pas qu'on en ait, on va voir. Mystery Lake, lac mystère. Je me suis toujours posé la question parce que il y a écrit lac mystère en français. Mais en fait, à chaque fois, je me dis ah, ils ont quand même fait une autre texture, genre pour le français. Mais en fait, c'était tout con ma réflexion. C'est parce que ça se passe au Canada. Donc ça sera pour lire. Là, on est en train de se réchauffer. On a des torches, on a des allumettes normalement. On a que 18 morceaux de bois. Je crois qu'on a rien. Non, on va prendre un faitout. Et on va prendre le sac de couchage avant que je l'oublie. Sac de couchage, est-ce qu'il est en bon état ? 73%, très bien. Je crois qu'on avait du fil. Enfin, on avait... Non, on a des hameçons. On a 5, mais on n'a pas de fil. Par contre, on peut faire une flèche. C'est bien, on peut faire une flèche. On va pas en faire une maintenant, parce que sinon ça serait perdre du temps. Par contre, il faudrait faire donc du fil. Donc, il faut un boyau. Je crois que ça fait 3 fils. Ligne. Ça fait 2. Ça fait 2 lignes, ok, ça marche. On va encore en refaire un. C'est un peu embêtant, hein, le coup des boyaux là. Ça crée des boyaux à chaque fois. Enfin, ça utilise des boyaux parce que. Bon, on en a plein, oui, mais bon, ils sont pas secs. Enfin, de toute façon, le tank, 90%. Attends, lui, il est 90, l'autre, il doit être à 49, oui, c'est bon.
De toute façon, on n'a rien à crafter. Donc, hop, c'est fait. Voilà, ça, on n'en parle plus, c'est fait. Voilà, donc on a 4 et 5, c'est bien. On va même encore en faire un. Alors, les lignes, il faut les crafter à l'établi. Par contre, après, les kits de pêche, pour mettre le fil et l'hameçon ensemble, vous pouvez le faire où vous voulez. Par contre, à chaque fois, ça fait un kit de pêche séparé, donc je préfère les assembler plus quand j'en ai besoin. Ok, on a 43%. On va prendre de l'eau. On est déjà à 30 kilos. Quel bordel. On a 18. On a trop du... Enfin, on en a trop. Non, on n'a jamais assez du tissu. Mais... On va en déposer un peu. Voilà, très bien. Et on va prendre un steak. On prend ça. Ça, on le laisse. Ça, on le laisse. Les flèches aussi, on va commencer à en déposer. Oh, regardez les massettes, elles sont revenues. Cool. On va prendre ça aussi, parce que... Genre une ou deux. Pour faire du feu. À moins que je l'ai oublié, cette massette. Non, ouais, je l'ai peut-être oublié. Non, on m'a dit qu'elle revenait au bout de plusieurs jours. Donc on va voir combien il fait dans une petite cabane. Honnêtement, ça m'étonnerait qu'on arrive à rester à l'intérieur sans avoir à faire du feu. Je serais méga méga surpris. C'est pour ça que je voudrais bien avoir des... C'est quoi là sur la... Devant nous là. On dirait deux gros animaux. Ou alors non, c'est le ponton. Ah non, c'est le ponton. Ça. Je me suis dit, mais c'est quoi ces trucs? On dirait des rhinocéros. Je voudrais bien avoir le vêtement de l'ours. Ça nous aiderait beaucoup. Ah, il fait du vent. Bon, moins 12, super. Bonus de chaleur, waouh, 3.6. Super. On a que 18 bouts de bois. Je voudrais bien en fait aller aux maisons et casser du bois là-bas. Mais c'est vrai que ça fait loin. Non, 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 c'est dangereux. On va pas le faire. Ah ben... Bon, on va rentrer à la maison.
Là, il fait trop froid, là. Là, il fait un tout petit peu trop froid. On va prendre ça. Allez! Ce vent à chaque fois dans la mauvaise direction. C'est fou, hein. Parce qu'on a de l'eau, on a de l'eau, on a de la nourriture. Donc on n'a pas de problème, mais... Mais c'est le froid. Alors, peut-être que si... Peut-être que ce sera plus intéressant de faire un igloo à côté de la maison, du coup. Je crois. Je crois que ce sera plus intéressant. Ça tiendra plus le froid. Enfin, ça nous tiendra plus au chaud. Je pense. Deux heures. Je crois que c'est la meilleure solution, c'est de faire ça. Ah, aussi, il faut que la nuit passe parce qu'il fait froid. Ok. Mais à 50%. On va voir. J'ai envie de faire un igloo, mais je peux pas voir les stats de l'igloo. Ah, peut-être que si... Si on sort qu'on peut le placer, peut-être qu'on peut voir les stats, je sais pas. Je voudrais bien savoir combien de temps ça me... Ouais, non, ça dit rien du tout. Genre, où est-ce qu'on pourrait le mettre? On pourrait le mettre... Si on peut le mettre là, ce serait bien, parce que ce sera à côté du feu. Mais bon... Un endroit extrêmement plat, en fait. C'est chiant à placer, hein, c'est super chiant à placer. Peut-être une idée. Genre le placer là, là, si on y arrive. On va voir. Oh, faut qu'on soit protégé du vent. Là, tu veux pas, t'es sérieux. Ah, bienvenue dans l'épisode où on essaye de poser un igloo. Bienvenue. Oh mon dieu, t'es sérieux. Ça peut être pas mal là, non? 45 minutes. Super froid. Ok, on est dedans. On est dedans. Moins un. Et si...
3-6. Oh merde, j'avais pas mangé. Ok. Ok, ça marche. Ok, cool. Ok, après on pourra le réparer. Ok, c'est pas mal là, c'est pas mal. Parce que comme ça il est protégé, il y a là. Et il y a ça aussi. Ça peut protéger aussi. Utiliser. Ok, on va manger. Donc, on est protégé en fait deux fois avec l'igloo. On est protégé du vent, on est protégé... Enfin, il fait chaud à l'intérieur. Et quand on fait repos, on a le bonus de chaleur. Ok, le bonus de chaleur est pas énorme hein, par contre. Donc, faut faire gaffe. Mais, ouais, ça marche, ça marche. Ça marche. Même un 3. I could eat a horse. On pourrait faire un feu. Qu'est-ce que je vous dise? Ça m'embête qu'il fasse pas froid. Dormir. Ça m'embête en fait. Ah, on pourrait se reposer au lieu de dormir, parce que dormir c'est dangereux. Ouais, ok. Je crois. Yeah, ok, ok. Ok, moins 20, d'accord. On va rentrer. Bon, on a notre igloo. Donc ouais, l'igloo est mieux. L'igloo est beaucoup mieux si on veut dormir à l'extérieur. Du coup, on a utilisé les bâtons. 31%. C'est embêtant, hein. C'est super embêtant. Ça aussi, si on avait suffisamment de peau. Là, j'y crois pas qu'on ait pas assez de peau. Ça me rend fou. On va faire un peu de rangement. Temps de se réchauffer. Donc en fait, il faudrait jongler un peu et le jour où il fait pas vraiment froid, on dort dans l'igloo, on dort le plus possible. Enfin, on fait passer le plus de temps possible dans l'igloo. En gros, ce serait ça. On va faire une flèche. Vous voyez ce que je veux dire? Flèche. Man, all I can think about is food. Très bien. On a un temps de merde. 45, c'est pas très lourd les flèches. La merde. On va déposer des flèches. Et on en a trop. Comme j'ai dit. J'ai pas tout déposé quand même. Non, plus 6. Plus 6. On peut les... Oula, on peut les mettre côte à côte. Merci. Ils
sont même pas centrées. La hitbox, elle est super étrange, des flèches. Quand on les transporte, c'est même pas centré. C'est sur l'arrière de la flèche. C'est super bizarre. Mais merde. T'as un peu mieux travaillé, hein. Chez Winter machin. Un peu mieux travaillé, les gens. Bon, c'est un peu réchauffé, c'est bien. On a un temps horrible, on a plus de bois, on peut plus faire de feu, enfin pas de feu qui dure longtemps, il fait froid. C'est moins 26. Ah, ça c'est abri du vent. Là on n'est plus à l'abri du vent, d'accord. L'igloo il est à 98%. Ah, on se réchauffe. Non, t'es sérieux? C'est bien. Ah oui, c'est parce qu'en fait, le temps, là, il y a du vent. Mais le temps est pas très froid, c'est le vent qui est froid. Ok, cool. Bah, qu'est-ce que j'ai que je vous dise? Bah, c'est bien. Bah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On va prendre à manger. Et on va lire... Parce que j'ai peur de dormir, en fait. Donc on va lire le livre. Ok, on a toujours chaud. Très bien, on va encore lire une heure. Alors quand il frappe... Maintenant il fait combien ? 5 degrés, ressenti 5 degrés, on a un bonus de 3, ok. Là ça vaut le coup. Là ça vaut le coup de dormir, donc on va prendre un gros steak. Et là on va dormir 2 heures au moins. On va faire des petits cycles de 2 heures. Et on dort quand il fait chaud, vous voyez ce que je veux dire? On essaye de jongler comme ça. On va prendre ça. Et on va prendre un autre steak. Juste au cas où. On a combien d'eau? 3 litres, ça va. Après, on pourrait aller pêcher. J'ai l'impression de perdre du temps à faire ça. J'ai l'impression de perdre mon temps, là. Non? Est-ce que c'est bien, ce que je fais? Non, ce stomach. Intoxication alimentaire. Vous avez affaibli ce que vous êtes soigné car il est en train de mourir. Ah, parce que on a été malade. C'est pas ça. C'est l'intoxication qu'on a eue. Ok, c'est pas grave. Enfin, oui, non, si c'est grave, mais. Viande d'ours cuite. Oui, elle était cuite, donc c'est pas le parasite qu'on a eu. C'est une intoxication. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et après, il faut dormir au moins 10 heures. Voilà. Oh la vache. Ça tombe mal. Ça tombe très mal. Oh, l'intoxication aléatoire, quoi. C'est abusé. Incroyable. Dormir 3 heures. Je crois qu'on va perdre de la vie. Donc il faudrait utiliser le... la tisane. Je crois qu'on devrait aller prendre la tisane. On va aller prendre la tisane. Donc l'intoxication alimentaire, ça peut arriver à tout le monde. Enfin, ça peut arriver avec n'importe quelle nourriture. J'ai l'impression qu'ils l'ont augmenté. C'est-à-dire que si on mange des choses qui sont en dessous des 50%, on a une grande chance d'être malade. Plus en fait les pourcentages sont faibles et plus on a une chance d'être malade. Sauf que...
Ah, attendez. C'est laquelle qu'il nous faut de tisane? On en a plus des autres? Ah non, si, celle-là. Mais la tisane pour remettre de la vie. C'est ça. Je sais pas si on la boit ou pas. Parce que ce qu'on en a plus en fait après. Après on en aura plus. Voilà, très bien. Non, voilà, on la boit quand même. Mais même au-dessus, en fait, à n'importe quel pourcentage, si c'est pas parfait, on peut être malade. Ce qui est un peu débile pour moi, je trouve. Oh, il fait bien chaud. On va dormir 5 heures. Ce qui est un peu débile, je trouve, pour moi. Parce que là, la viande, elle était quoi, 70%. Et on a été malade. C'est vraiment débile. Ouais, vous avez vu la vie? On a quasiment rien récupéré. Donc il reste encore 2 heures. Et là je peux pas lire parce que il faut dormir, il faut absolument dormir. C'est pas genre attendre 10 heures, c'est dormir 10 heures. Donc ça c'est un peu emmerdant. Ok, on a été guéri. Mais on est... C'est bon. Donc on est en pleine forme. Et on a chaud. Ah, on n'a plus le mal de l'enfermement. Bah on va en profiter de toute façon. Vu qu'il fait chaud. Enfin il fait chaud, façon de parler. Vu qu'il fait pas froid, un froid glacial, on va juste le... On va lire. On peut encore lire. Ah, quoique, attends, il fait froid là. Hein, ah, elle a un froid un peu. Faire gaffe, le temps commence à se rafraîchir. On peut faire encore une heure tranquille. Voilà. On a fini notre livre. Cuisine niveau 3. Bientôt fini. Allumage de feu, voilà, là ça a bien augmenté, c'est cool. Ah, c'est un peu embêtant, hein, tout ça. Hein. Fait moins 4. Bonus de chaleur 3, donc on va avoir froid. Donc faut pas le faire. Enfin, on peut le faire, mais on va baisser en chaleur et ça risque d'empirer. Donc maintenant, on peut rentrer, tout simplement. De toute façon, on a plus le mal de l'enfermement. Donc ça va, on a un peu corrigé le problème. On va faire ça. Très bien. Je suis en train de perdre un peu de temps à voir ce qu'on peut faire. Là, j'avoue que c'est pas vraiment la grande vadrouille, mais on essaye, voilà, de pas tomber malade, de pas avoir trop de problèmes. On est déjà tombé malade, mais bon, on était préparé, donc tout va bien. Ça s'est bien passé. Le livre, on va pouvoir le laisser à la maison. On va prendre l'autre livre de feu. Ok, elle commence à avoir froid. C'est sympa l'igloo, hein, quand même. Sympathique. Hein. Mais ça dit pas exactement combien de... Ouais, combien ça nous protège de combien de degrés. Mais c'est vraiment... C'est puissant. C'est puissant au final. Parce que là, on subit... On a que moins 4. Température ambiante est à moins 19. Et on subit que moins 4. Et ça nous protège du vent en plus. Si jamais il y avait du vent. Donc c'est quand même... c'est pas mal. C'est pas mal. Et vous avez ça, ce bonus-là. Et en plus... C'est quoi? Non, c'est un caillou. Et vous avez le bonus de... Quand vous dormez, vous utilisez en fait le coup du... Le sac de couchage en fait. Ah, j'ai envie de tester un truc.
Je veux voir si c'est vraiment le sac de couchage ou pas, en fait. Ah non, non, le sac de couchage n'a rien à voir. Quoique. Bonus de chaleur 3. Bonus de chaleur 3.6. C'est marrant ça. Sac de couchage duveté. Non, si, ça prend le... De base, je crois que de base, vous avez 3%. Enfin, 3%, 3 degrés, pardon. J'ai dit pourcent tout le temps. Là. 3 degrés. Bon, l'igloo, il est à 91%, on va rentrer. 3 degrés. Mais ça prend le sac de couchage en compte. Si vous rentrez avec le sac de couchage. Je pense. Donc, du coup, à la limite... vous pouvez prendre le sac de couchage fait avec en peau d'ours pour avoir un meilleur pour avoir une un meilleur résultat du coup. Après je crois que si on répare le sac de couchage, c'est possible qu'il soit plus chaud. Je sais pas par contre. Je sais pas si le sac de couchage est plus chaud, s'il est en meilleur état. Peut-être que oui. Mais oui, non, c'est vrai que le sac de couchage en peau d'ours, ça peut aider pour ça. Sac de couchage artisanal en peau d'ours, lourd mais très chaud. L'odeur peut-être... Peut-être repousser les animaux aussi, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal, du coup, de l'avoir celui-là aussi. Sinon, il fait presque jour... qu'est-ce qu'on fait, nous, maintenant? Que faisons-nous? Que faisons-nous? Je sais pas quoi faire. Est-ce qu'elle a pas vraiment sommeil? Non, on peut peut-être dormir, quand même. Peut-être quand même dormir parce que comme ça on passera, il fera jour au moins ou pas. Ou pas, je vois strictement rien. Non, je vais jamais le trouver, le livre. Lampe tempête, combustible. Ouais, d'accord. On se casse. J'ai l'impression de faire tout le temps la même chose, là, c'est relou. Ah, on n'a rien fait cet épisode. Si ça continue, si on a des épisodes comme ça, je les mettrai pas. Hein. Je les couperai, on avancera plus vite. Parce que là, c'est pas intéressant. Même moi, ça m'amuse pas, en fait. Là, on peut rien faire. On peut rien crafter, il fait froid, elle a le mal de l'enfermement, enfin laver, on n'a pas à faire du feu, on n'avance pas. Pas fun du tout. J'ai l'impression qu'on est arrivé au moment où il commence à faire froid. Je crois qu'on a passé le premier mois, là ça y est, là on a du... Là, on commence à avoir du bon mauvais temps, quoi. J'ai l'impression. Donc ça me fait un peu peur. Il va falloir faire
Il va falloir chasser et récupérer des peaux pour faire les autres vêtements et assez vite. Sinon on va avoir des problèmes. Et après il faut qu'on bouge aussi parce que j'ai envie de changer de zone. Ça me saoule de rester là. J'ai rien, j'ai absolument rien à faire. Je sais. Tissu. Y a rien à casser. Je sais que c'est noir. Mais... Rideau. J'ai vu rideau. Bon, c'est bon. On a trouvé des choses à faire. Yay. Je vois un point. Il n'y a rien d'autre. Ouvrir le classeur, non. La chaise, j'ai envie de la casser, honnêtement. Ça fait 6 tissus. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, j'ai bien envie de la casser. Ah si, on peut non, c'est bon, on va pas la casser. On va faire ça. Eh oui, on peut aiguiser à chaque fois, j'oublie. Ça fait passer le temps, ça. Et c'est utile. C'est très utile, même. La scie, faut qu'on l'aiguise. Parce que la scie, on l'utilise pas mal, quand même, pour casser les morceaux de bois. Donc ouais, pas super cet épisode. Je sais pas, on va encore se balader, voir ce qu'on peut faire, mais... J'avoue que c'est un peu bof. On va finir la pierre. Quoique, je crois qu'on est au max. On est à 100%. C'est quoi, c'est 6% que ça donne à chaque fois? Non, 4. Et là il reste plus que 2, donc on va pas le faire. Oh, ça y est, fait jour. Voilà. On reprend ce livre. Il est où l'autre? On l'a laissé ou pas? Ça c'est nouveau. Je l'ai posé par terre, non? Le... Merde, qu'est-ce que j'en ai foutu? Bah mince, qu'est-ce que j'en ai fait du livre? Bon, c'est pas grave. Ah, j'étais occupé, j'étais tellement concentré que voilà. Bon, on s'en fout. On va sortir. La pêche, alors la pêche, ça peut être intéressant. Je vais être honnête, ça peut être intéressant. Mais c'est surtout pour une seule chose que j'aurais envie de faire de la pêche. Et c'est pour récupérer du carburant, en fait. Pour la lampe. Et basta. Mais on peut aller en faire. On peut aller en faire. Un peu. On va voir. S'il fait pas froid. Évidemment, il fait froid parce que sinon, c'est pas drôle. Notre igloo est toujours là. Fait froid. Je sais pas trop quoi faire. Ah.
Bon, on va se balader sur la gauche. On va aller se balader. On va sûrement rencontrer des loups et tout ça, et on va se les faire. Ouais, on devrait aller se faire les loups. On devrait vraiment aller se faire les loups pour récupérer la peau. On va voir si on peut pas en spotter de là. En contrebas là. Non, pas impression. Il nous faudrait une peau en plus. Comme ça on peut faire le manteau. Là on a une corde. On va pas la prendre mais on pourrait. C'est possible de trouver des quelques objets hein, je crois. Mais je crois qu'il y en a une deuxième à prendre si on veut vraiment aller à l'endroit intéressant. Il y a encore quelques massettes à récupérer. Il y a le... Il a froid quand même. Il y a le cerf, la carcasse de cerf qu'on n'a pas pris. J'ai pas entendu un loup aussi. Là-bas, ouais. On va aller voir ça. Il fait très froid ou pas? Ouais, moins 23, merde. On va pas pouvoir faire de feu. Est-ce qu'il y a un loup là? On a bien entendu un loup du coup. Oh! T'es bien prise, ça, la salope. Je crois qu'on a assez de bois pour faire un bon feu. Combien? 23 encore. Moins 22. Encore quelques brindilles. On lui a bien mis dans la tête, mec. Oh la vache. Super bien visé. Ouais, donc on l'a entendu de loin, hein, le loup. Hein. On l'a entendu de loin. Il est allé attaquer un lapin. Ouais, ça devrait être bon, là. 16. Ah oui, on a les... J'avais pas vu, on a aussi le bois de récupération, ça va. Le truc c'est que c'est le feu qu'il faut protéger, c'est pas moi. Enfin moi je peux faire le tour de l'arbre, c'est pas grave, le feu il va pas pouvoir bouger, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est le feu qu'il faut protéger. Du vent. C'est plus important. Très bien.
On va attendre que ça monte un peu. Chaque fois, ça fait 1 degré en plus. Ce qui aurait été bien, c'est le coup de... qu'on arrive à mettre le loup à côté. Du cerf. Ok, très bien. Je crois qu'on est trop loin du bois, là. Ouais. Ah, il est en ruine, le truc. Il lui a... Il y a quoi qui reste dessus? Ah, il a enlevé la... Il y a quasiment plus de viande. Par contre... Ah, on n'a pas à manger. Parce qu'on commence à plus à trop avoir de... De vie. Allez, non, pas ça. Voilà. Il y a des plumes, yes. Bien, on a chaud, on a chaud. 32 minutes. Combien pour le steak? Une heure. Ah, risque d'hypothermie enlevé, très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le cerf? Bah, pas grand chose. Oh, honnêtement, pas grand chose pour le cerf. On devrait monter de niveau dans pas longtemps. Ça c'est papa. On va rentrer. Hein. J'espère qu'on va pas se faire... pas se faire attaquer. Le lapin on va le laisser je crois. On va se pleurer. Enfin oui, non, si, il y a encore un morceau. Est-ce qu'il fait très froid ou pas? Non, moins 13. Non, moins 13, c'est trop. Si c'était moins 5, à la limite, je tenterais. Moins 13, c'est beaucoup. Pour récupérer la peau. La peau de cerf. Le loup, on va lui laisser les boyaux. Comme ça, on aura de la chance, normalement. Je crois que les... Ah, je sais pas si c'est peut-être pas assez suffisant ce qui reste. Je sais plus. On va laisser les boyaux quand même. Mais c'est possible que le... Que les corbeaux reviennent. Je suis pas sûr. Ça se calme le temps, mais c'est pas vraiment ça. Putain, une heure pour ça, quoi. On va rentrer. Non, mais ça va, on a bien bossé, là. Ça nous a un peu rattrapé le coup. Ça nous a un peu rattrapé la chose. Donc, on a récupéré la dernière peau qui nous manquait. Donc, maintenant, il va falloir que... qu'elle sèche. On a encore du lapin, on a des plumes en plus, ce qui est bien. On a ça, on va le recycler. On a des steaks en plus, encore.
va manger ça, on va prendre ça. Cuisine expert niveau 4, très bien. Alors, les aliments cuits rapportent 20% de calories en plus. Aucune perte de calories quand vous forcez une conserve et délai de cuisson. Moins 20%, c'est bien. Encore plus qu'un niveau et on sera honnêtement au niveau 5, ça sera abusé. On pourra manger tout et n'importe quoi sans être jamais malade. Alors, je suis en train de me dire, on pourrait prendre le feu et le déplacer là-bas. Mais il nous faudrait du bois. Ouais, il y a toujours la peau. On va voir s'il n'y a peut-être pas du bois là, des fois. Grotte d'Alan. Alan, t'as laissé du bois? Non? Ok. Merci, c'est plaisir. Alors je suis en train de me dire, est-ce qu'on pourrait faire un feu avec... avec une torche et tout ça, et après prendre plusieurs torches, les recycler, les ramener, etc. Et faire une boucle comme ça, on pourrait. Ça peut se tenter. Là il fait de plus en plus bon en fait. Ouais non, peut-être qu'on va le faire en fait. On va peut-être le... On va se mettre là, on va se réchauffer. Et je crois qu'on va aller récupérer... récupérer la peau. Ouais, on va le faire. On mange un truc ou pas? On va manger ça. Très bien. Ça va, on a bien, on va dire, comment dire, rattraper un peu le début où on se faisait un peu chier, parce que, enfin on se faisait chier, on essayait de combler les problèmes qu'on avait. On avait des problèmes de partout, là, genre le mal de l'enfermement, il faisait froid dehors et tout ça, on n'a pas de feu. Là ça va, là... Là ça va. On va voir comment ça se passe. Oui, ça va, on peut prendre... On peut prendre la peau. On n'a même pas besoin de faire du feu, honnêtement. Bah, c'est gelé, donc ça prend un peu de temps, mais... C'est bon, on l'a fait. On se casse. J'ai l'impression de jouer à Escape from Tarkov des fois. Genre ouais, c'est bon, on a récupéré du loot, on se casse. On a récupéré ce qu'on voulait, on y va. On pourrait prendre les morceaux de viande qu'il y a, mais bon, hein. On a déjà récupéré énormément de choses. Vous voyez qu'il y a deux cornes, il y en a une là aussi. Alors par contre,
sur la glace, on risque de... Eh merde, de tomber sur... sur des loups, donc faut faire gaffe. Ça va, c'est le lapin qu'elle fait tomber. J'ai l'impression qu'il faut quand même toujours tirer un tout petit peu plus haut hein, quand vous visez. Enfin, moi, pour moi, j'ai tendance à pas tirer assez haut, apparemment. Ouais, j'ai peur qu'on se fasse aggro sur le côté gauche. Ok, il y a un cerf. Quoique s'il y a un cerf, ça devrait être bon. Voilà, pas froid. Ce qu'on va faire, c'est ça. J'ai envie de le pousser vers chez nous, mais bon. Non, ça va être emmerdant. Ce qu'on... Non, il est trop sur le côté gauche. Je vais pas pouvoir passer sur la gauche sans qu'il me voie et après il va aller vers les loups là-bas. Ah c'est là. Rentre. Bon, ça va, on a encore... on a encore trouvé des plumes. On a trouvé 3 je crois, donc ça fait encore une flèche. On a récupéré une peau de loup, une peau de cerf. On a monté la cuisine niveau 4. Qu'est-ce qu'on a encore fait? L'arc encore, on a avancé, on a fait des kills. Ouais, non, c'est pas mal. Hein. C'est bien, c'est bien. Bonne petite journée. Bonne petite journée, bien tranquille. Là, on rentre, on va faire la, une flèche, je dirais. J'ai un peu peur de notre vie par contre, parce qu'elle est quand même assez basse. Et j'ai pas de... On a plus de... Comment ça s'appelle? Mince de tisane. On n'a plus de tisane, donc ça peut être dangereux. Alors ça... Le loup, on va le mettre là. Le lapin là. Ah, et le cerf, je ne sais pas, ici. Voilà, ça commence à devenir un putain de bordel. Le problème, à chaque fois, je dis... Enfin, je voulais qu'on bouge. On faisait que bouger, en fait, pendant longtemps. Mais là... là, il faut attendre que les peaux sèchent. Ça met 3000 ans. Ça, c'est combien? C'est 12 jours. Ça met 3000 ans à sécher. Ouais, non, c'est vraiment chiant quand même. C'est vraiment chiant, on est un peu bloqué. On est un tout petit peu bloqué par les événements. On attend d'avoir des meilleurs vêtements. Et après, une fois que on sera bon, on se casse. On ira... J'ai même envie d'aller à Milton maintenant, peut-être. Mais je suis pas sûr. Pas encore sûr. Alors, on a encore ça, c'est pas mal. Une plume. On a fait une flèche de plus, on va la déposer.
Oups. Ah, c'est bon, on a toujours 6 sur nous. Ah, 6, c'est pas mal. C'est, enfin, c'est 5 de... 5 dans le carquois, en gros. Et une sur le sur l'arc. Je trouve que c'est pas mal d'en transporter comme ça. On a fait notre flèche. Faut qu'on prenne de l'eau. Elle commence à être fatiguée. On a des trucs à recycler. Recycler à la main. On va bien manger et boire. Et après on dormira. Faudrait qu'on chasse plus de cerfs, parce que c'est vrai que... on tourne pas mal... Enfin, on finit toujours par combattre des loups. Bah oui, parce que c'est eux qui nous chassent à chaque fois, mais... on a que ça de gibier. Et après, on a beaucoup, beaucoup d'ours. Ça serait bien qu'on ait un peu de la meilleure qualité de viande. Enfin, de la viande où on risque pas d'être malade, c'est ça que je veux dire. Le lapin, ça. Mais bon, on est déjà à niveau 4 en cuisine. Ça veut dire qu'une fois qu'on sera à niveau 5, honnêtement, ça sera tout bénef. Enfin, on mangera ce qu'on voudra, donc... au final, ça sera même plus important. Donc on pourra se goinfrer de tout ça, par exemple. Ça va être énorme. Ça va être tout simplement énorme. C'est pour ça que dans un sens, j'ai bien envie de continuer de récupérer de la viande. Ou bah, même pêcher, quoi. Pour aller récupérer, pour faire cuire les trucs. Cuisine niveau 4. Je sais pas combien... Ouais, ça va prendre du temps, par contre. Hein. Ça va prendre du temps de monter niveau 5, mais ça va. Du coup, on fait ça et on dort. On verra ce qu'on fait demain. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je vois pas ce qu'on fera. On va réfléchir. Je vois pas. On verra ça.